مرحبا بمشتركي سابورانيت. دونك في الفيديو هذا ان شاء الله باش نشوفو ستركتور دو لا ماتيير على ليشيل ماكروسكوبيك. فوالا دونك لهنا اون فا ديفينير كيلكو نوسيون دو باز اي جو فو دون كيلكو فورمول اللي باش نستحقوهم بيان سور مش كاين في البروميير اني مي يبقوا يتبعوا فينا حتى شتين ما عادش نقرو الشيمي كاين بيان سور باش نقراهم يبقوا يتبعوا فينا حتى شل الباك اذا كان عملتو بيان سور من بعديكا شيمي في السوبيريور لازم تكونوا متمكنين منهم اوكي. Donc, on définit au haja la quantité de la matière. Quantité de matière. Donc, notez bien sûr la quantité interne, donc la quantité de la matière, donc N, s'exprime à l'unité en mol. Okay? Voilà, donc la est une grandeur. Qui renseigne sur le nombre d'entités chimiques élémentaires identiques. Donc élémentaires identiques, c'est-à-dire le nombre d'atomes. Ou bien de molécules, d'ions, etc. Ok. Donc, les nerfs contenus dans un échantillon de matière donnée. Bien sûr, c'est le nombre d'identités chimiques contenues donc, dans un échantillon de matière donnée. Ok, donc elle exprime en mol, l'unité interne en mol, donc symbole ça c'est mol. Ok, donc N égale qu'est-ce que c'est mol. Voilà. Ok, les unités sont importantes. Donc les symbole ça c'est l'unité. Donc, la mole est la quantité de matière d'un système contenant, voilà, on peut définir la mole. Et la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités chimiques identiques donc qu'il y a d'atomes. Ce sont des définitions dont 12 grammes de carbone, c'est-à-dire, l'année 6,02 10 à la puissance 23 entités. Donc, je vais vous donner une définition. Donc, on a la mole et la quantité de matière, c'est-à-dire N, d'un système, voilà, contenant autant d'entités chimiques identiques qu'il y a d'atomes dont 12 grammes de carbone. Chomanta manta 6,02 10 à la puissance 23 entités. Yitsama nombre head, c'est le nombre donc d'Avogadro. Voilà, donc noté Na égale un grand A Avogadro 6,02 10 à la puissance 23 mol moins 1. Voilà, donc c'est le nombre d'Avogadro. Donc, on définit aussi la masse molaire, pardon, donc la masse molaire atomique. Il y a la masse d'une mole
d'atomes. Donc, et s'exprime en grammes mol moins la masse d'une mole d'atomes. Voilà, l'ouest d'un mole d'atomes. Qui m'a donc qui m'a dit la définition de la masse molaire atomique? On définit la masse molaire moléculaire. Donc, la masse molaire moléculaire est la masse. Donc, l'ennée d'une mole de molécules. Donc, calculée à partir de la formule brute moléculaire. Donc, on peut calculer, dans notre malème, les exercices, bien sûr, à partir de la formule brute moléculaire. Moléculaire, voilà. Donc, je vais te montrer quelques exercices à demain. Donc, je vais te comme quelques formules. Je vais pour calculer la quantité de matière, donc N, on peut déterminer N à partir de la masse et la masse molaire. Donc, N égale à M sur M. Ça, c'est la masse de l'échantillon terne. Donc, la masse, bien sûr, redouble en grammes, en gramme. Et ça, c'est la masse molaire. Donc, la masse molaire, bien sûr, en grammes mol moins 1. Voilà, gramme, on a dit gramme mol moins 1. Je dis le nombre de mol, bien sûr, en mol. Okay? Voilà. Donc, on peut aussi déterminer le nombre de mol N à partir du volume et volume molaire. Voilà, donc ça c'est le volume. Donc le volume, l'unité MTA, c'est exprimé en litres. Et volume molaire, donc en litres mol moins 1. Voilà, donc c'est le nombre de mol en mol. Voilà. Donc, comment on peut calculer le nombre de mol. Bien sûr, je vais vous montrer plusieurs exercices. Partie Barcha. Donc, t'abonner à la Sabora Net.